Azul, Kenny Mohand Kassioui, journaliste Berber TV. Claire, on est ici pour la deuxième édition du festival Berber. C'est la deuxième année, c'est beaucoup mieux que la première. Ça prouve qu'il y a une attente de la part des gens qui veulent venir découvrir le cinéma à Mazir, mais aussi c'est un lieu de rencontre pour tous ces gens, notamment des jeunes qui travaillent dans le cinéma. Il y a des gens qui viennent du Maroc, de Libye, de Tunisie, d'Algérie, mais aussi d'ici de France et d'un peu ailleurs. C'est des lieux comme cela où les gens peuvent se rencontrer, peuvent produire pour la culture, car aujourd'hui, comme la littérature, comme le cinéma aussi, c'est un moyen d'enrichir la culture à Mazir, c'est un moyen d'échange. Cette année, on a été vraiment émus, notamment par nos amis tunisiens qui sont venus présenter deux reportages, deux documentaires, notamment sur l'histoire des villages berbères en Tunisie. Ça prouve aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire, que même si Mazir, c'est un peu le revendicatif, on a toujours revendiqué. Aujourd'hui, elle est officielle au Maroc avec tous les manquements qu'il y a, les nationales en Algérie, mais ça ne suffit pas. Surtout, ça ne suffit pas. Il faut continuer à travailler. Le cinéma est un moyen de faire connaître, d'unir aussi, parce que ce qui est important, c'est un cinéma à Mazir. Il est naissant, mais il faut continuer dans ce sens. Moi, je suis vraiment très content de rencontrer beaucoup de jeunes comme ça qui viennent d'un peu partout de Tamazra avec des produits, avec un enthousiasme. Peu de moyens. Aujourd'hui, il faut accéder peut-être à une autre étape, c'est de trouver des distributeurs pour qu'il y ait un public, pour que ces jeunes continuent à travailler, car même si on est militant, même si on aime sa culture, on a besoin des moyens aussi, notamment de l'argent pour travailler. Moi, j'ai été très heureux de cette deuxième année. J'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on va aller de l'avant. Et merci. Je suis très content d'être avec vous à Radio Etteville. J'espère qu'elle va aller de l'avant. J'espère qu'elle sera connue de plus en plus. Il est très important d'avoir comme ça des radios indépendantes qui ont besoin d'exister, qui ont besoin aussi de montrer, d'ouvrir le micro peut-être à d'autres personnes qui n'ont pas la chance d'accéder à d'autres médias. Etteville, j'espère que vous allez aller de l'avant et vous serez une tribune pour tous les militants à Mazir, d'où qu'ils soient, pour qu'ils puissent eux aussi parler, passer le message. Salam raouna foudi garzen, salam raouna radu Etteville, atsdou marzen. Tanmir.